bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous donnons la parole aux entrepreneurs et porteurs de projets. L'émission se déroule aujourd'hui chez Hakuna à Anceny sur le thème des réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook, Twitter ou Instagram. Mais aujourd'hui, pour en parler, pour en débattre, j'invite Ronan Cuny. Bonjour Ronan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots? Oui, alors Naolink, on est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Donc on adresse autant les entrepreneurs que les investisseurs immobiliers. On digitalise finalement la relation client via un espace client, une application mobile. Pour le reste de la relation, ça se passe par téléphone ou par visio. On innove effectivement dans la relation puisqu'on inscrit dans le parcours de nos clients des rendez-vous de conseil. L'objectif étant de sortir du cadre strictement régalien historique de notre profession pour aller vers celui du conseil. D'accord. Aujourd'hui, quel réseau social vous utilisez ? Alors, sur les quatre que tu as cités, nous utilisons les quatre, plus YouTube. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà, on est parti d'un constat, si j'en crois les statistiques, 60% de la population française, donc c'est énorme, utilise dorénavant les réseaux sociaux tous les mois. Et un Français en moyenne utilise les réseaux sociaux à raison plus d'une heure et demie par jour. Un Français sur deux, oui. Voilà, donc ça voudrait dire qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, ne pas utiliser les réseaux sociaux, ça conviendrait à se couper d'un espace-temps intéressant d'interaction avec ses futurs clients, ses futurs fournisseurs, ses futurs salariés, ses futurs partenaires dans son ensemble. Donc nous, en tant que cabinet digital, ça résonne d'autant plus fort qu'il nous paraît essentiel dans notre stratégie digitale que d'inclure évidemment les réseaux sociaux. Donc c'était dès le lancement de Naolink, on était sur ces réseaux sociaux. Et après, quant à choisir lequel réseau social on va choisir, c'est lié à nos objectifs. On a quatre objectifs, c'est très simple. Un, trouver de nouveaux projets d'entrepreneurs. Deux, trouver de nouveaux projets d'investisseurs immobiliers. Et sur les deux autres objectifs, il y en a un, c'est de recruter de nouveaux talents. On est une structure qui connaît une forte croissance, mais ça veut dire qu'il faut assumer cette croissance via le recrutement de nouveaux talents capables justement de gérer cette charge de travail. Et en l'occurrence, eh bien, là, tous les réseaux sociaux cités contribuent de près ou de loin à trouver ces personnes. Et le deuxième objectif, c'est un objectif d'irréputation, d'augmenter l'image qu'on peut avoir. Alors même si tous y contribuent, là clairement, YouTube qui n'était pas cité dans ceux qui citaient les barres, avec la vidéo à sa place de roi, et Instagram avec ses stories également. Quand on parle de contenu, en réseaux sociaux, on parle souvent de faire du contenu pour soi, mais aussi de partager le contenu d'autres personnes dans sa sphère d'activité. Est-ce que c'est le genre de choses que tu fais? Alors, sur les pages entreprise, donc la page, je vais en prendre une, page LinkedIn entreprise, non, on ne le fait pas. Par contre, à titre personnel, mais je suis quand même très estampillé Naolink sur mes réseaux, ouais, sur les réseaux sociaux, oui, je le fais. Donc il y a une dichotomie voulue, souhaitée entre ce que communique la page entreprise et ce que peuvent communiquer de manière beaucoup plus large les membres de Naolink. D'accord, ok, très bien. Donc Naolink qu'on retrouve sur Internet juste en tapant Naolink, N-A-O-L-I-N-K. N-O-L-I-N-K.fr. Et là, on retrouve le site et les réseaux sociaux de la même manière. Exactement. Aussi facilement. Exactement. Merci Ronan. Merci beaucoup. We'll be right back.